50 jours après la fête de Pâques, on célèbre la Pentecôte, un autre temps fort du calendrier liturgique orthodoxe. Au contraire de l'Assomption, Pâques et la Pentecôte sont deux fêtes aux dates mobiles. Pour la communion, les orthodoxes utilisent du pain avec levure. Les catholiques, eux, ont choisi les hosties. C'est d'ailleurs une des raisons de leur séparation. Les orthodoxes communient en mangeant le pain trempé dans le vin. Une fois la cérémonie terminée, la procession se forme pour parcourir les rues du village. L'évêque est coiffé d'une mitre en forme de dôme. Contrairement aux prêtres, l'évêque orthodoxe est astreint au célibat. Les habitants brûlent de l'encens sur le parcours pour rendre hommage aux saintes icônes.